Salut tout le monde, comment vous allez? Alors on va reprendre où on s'était arrêté hier soir. Du coup on va reprendre l'aventure de notre mage noir. On va continuer la quête principale. Objectif, essayer de d'avoir les sorts de magie noire et les talents le plus vite possible pour enfin commencer le gameplay qui nous intéresse. Donc on va reprendre ça. On était arrivé, il me semble, il fallait retourner voir le professeur Fig et on avait combattu les trolls après Olar. Donc on va pouvoir reprendre cette aventure. Et pour information, les streams seront rediffusés sur ma chaîne YouTube. Donc, au cas où, si vous les avez loupés, vous pouvez T'es pas retrouver sérieux? ça sur Des gobelins YouTube. qui Je mettrai s'associeraient en le groupe? lien plus tard. C'est absurde. C'est plutôt inhabituel, je vous l'accorde. Inhabituel? C'est inconcevable. C'est... Ah, Fig, vous avez de la visite. Je vais voir ce que je peux trouver. Parfait. Allez, pouce. Monsieur, j'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque pendant que vous étiez avec le professeur Black. C'était un livre que nous Comment vous cherchions. allez sinon? Quoi? C'est... Une minute. Vous avez accédé à la réserve? Comment? Ah oui, c'est bon, Oh, on la avait été dans réflexion, la je réserve. préfère ne J'ai pas connaître les complètement oublié. détails. Comme vous voudrez. En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Ouais, c'est Je ça. veux tout savoir, mais avant, montrez-le-moi. Je sais pas si je passe les cinématiques. Dites-moi dans le chat si vous voulez que je passe les cinématiques. Oh non! Certaines pages semblent être manquantes. On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous. Bien. Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Hey. Je me demande ce qu'il faisait là, sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu deux autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre. Une autre pensine? Dans la barbe de Godric? Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné ici. Dans mon premier souvenir, il était avec trois autres professeurs et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver Au un niveau hameau du de la son, sécheresse. Myriam avait raison. Ça va. Et le deuxième souvenir? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en cinquième année, comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs? Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de George. Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès. On va faire quelques quêtes secondaires aussi aujourd'hui. Vous devez travailler sérieusement. Donc on verra où on arrive potions. À avancer dans La l'histoire. La magie ne se limite pas au sortilège. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Oh, et ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent... Je vais juste régler un petit truc. C'est baisser un tout petit peu le son du jeu. Hier, il me semblait qu'il était un peu fort. Vous surprendra. Ok. Parfait. Alors. Il est temps de montrer tes talents de duelliste et d'essayer de remporter le titre. Retrouve-moi à l'endroit habituel pour la dernière manche de joute magique. Oh, et le mannequin d'entraînement est toujours là. Ok. Retrouve-moi à Campolar en bas dès que possible. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. Oh, super. On ira voir ça plus tard. Ok. Ok, donc on ira voir ça plus tard. Merci. Le professeur Fig et le professeur Weasley m'ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense. Oh. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés, puis venez me voir dans ma salle de classe.
On va faire la quête du professeur Eckhart avant d'aller faire le duel. Comme ça, il me semble qu'on aura le sort Expelliarmus. C'est ça. Réussir à esquiver les attaques des ennemis en effectuant des roulades. Ok. Lancer Incendio sur des ennemis. Ok. Donc on peut faire ça. En allant voir Nati à Campo-Laramba. Ok, donc on va faire ça sur le passage, il me semble. Ah, il n'y aura pas de camp d'ennemis. Ok, on va aller là-bas. Va y aller à pied. Et on va essayer de faire la quête du En route professeur pour une Hecate au nouvelle base. passage. Alors. Oh, sinon le chat, comment vous allez? Ah, moi ça va. Salut. Comment tu vas? Ça va ou pas? Je sais pas s'il y a un gros décalage avec le chat. Ouais, ça va encore. Il doit avoir une trentaine de secondes, je pense. Ah, ça va très bien. Voilà, je reprends l'histoire d'hier. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire quelques quêtes secondaires et du coup aussi la quête principale pour avancer le plus vite possible du côté de Sébastien. Et avoir les sorts et les talents de magie noire. Et c'est là vraiment où on va pouvoir commencer à s'amuser. N'hésite pas si t'as des questions sur le jeu, etc. À me poser des questions, même sur l'univers Harry Potter. Je connais pas mal de choses qui pourraient peut-être t'aider. Même si t'es bloqué dans certaines quêtes, j'ai déjà terminé l'histoire une première fois. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Qu'est-ce que tu penses de la vue du château? Ah, t'as pas encore le jeu? Ok. Alors, je vais essayer de pas trop te spoil. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que d'une maison à l'autre, tu vas avoir des petites différences dans l'histoire, mais rien de significatif. Ça veut dire que ça va pas changer la fin du jeu. Peu importe la maison dans laquelle tu es, ça va pas changer vraiment la fin du jeu. Il n'y aura qu'une seule quête qui va changer, où là vraiment il y a des énormes différences. Et la meilleure maison pour cette quête, c'est la maison Poufsouffle. Mais dans tous les cas, si tu veux tous les succès du jeu, il faudra faire les quatre maisons pour avoir tous les succès du jeu. Donc, c'est pour ça que je recommence une partie aujourd'hui avec la maison Serpentard. Et du coup, quoi de mieux que la maison Serpentard pour incarner un mage noir? Au moins, ça change un peu.
parce que j'avais fait la première game sur avec la maison Poufsouffle. Et on a récupéré ça. Super. Ça, c'est la maison de Hagrid. Alors, c'est la maison de Hagrid du premier film. Mais à l'emplacement des derniers films. C'est pas très logique, mais elle a le mérite d'être là. Cette maison-là, normalement, elle est dans la cour du château de l'autre côté, au niveau de la forêt interdite. Et du coup, là, ils l'ont mis à l'emplacement des derniers films, mais avec l'aspect de la maison des premiers films. Donc, bon. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Je vais aller dans la grotte qui est juste en dessous. Elle est indiquée sur la carte. Voir si je peux récupérer un petit peu de... Un petit peu de d'équipement. Alors, il faut mettre ça là-dessus. Donc là, tu vois, je pense pas que j'arriverai à le mettre dessus. J'ai pas encore le sort pour. Ah si. Oh. Donc là, tu vois, en fait le. Tu dois placer ce cube sur le réceptacle et faire le sort qui est indiqué sur le cube pour activer la porte. Bon, c'est pas avec Axio normalement que tu fais ça le plus facilement. Par exemple, un Wingardium Leviosa aurait été plus pratique. Mais normalement, on devrait l'avoir après. Et à l'intérieur de ces petites cavernes, tu trouves un coffre qui te donne... qui te donne un équipement. Bon là j'ai pas eu de chance, tu vois, j'ai eu un équipement vert, mais tu peux avoir des équipements légendaires. Hier j'ai eu un peu de chance, tu vois, j'ai déjà eu quelques équipements légendaires. C'est pas trop mal. N'hésite pas hein, s'il y a des choses que tu comprends pas sur le jeu ou des choses que t'aimerais voir, des endroits où t'aimerais que j'aille. Dis-moi et... Si je peux y aller avec la progression dans laquelle je suis arrivé, on y va. Hop, on va récupérer ça. Oh mais non. Action. Hop là. Ah bon, on aura de la soupe de citrouille ce soir. la pauvre mouton. Il y a une quête secondaire. Ah, quel plaisir de te voir ici. On va parler à Nati. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. J'étais là et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow aux Trois Balais. Je m'inquiète pour toi. Pour l'instant, tout va bien. Sans indiscrétion, tu serais sur... On va lui mentir. Je ne connais pas Rockwood ni Harlow. Ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est étrange. Que peuvent-ils bien vouloir à un élève de Poudlard? Mais quoi qu'il en soit, tu étais clairement en danger. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous, pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. Tout
Tout le monde parle de ce que tu as fait pour défendre Préolar lors de l'attaque du troll. Ah, j'ai galéré en mode difficile. Sirona a tenu tête à Rockwood. Ah, je suis mort 4 fois, je crois. Inoubliable. Vous m'avez donné le courage de défendre ce. Le jeu, il est vraiment beaucoup plus difficile. C'est normal, mais. Que ma mère et moi avons quitté le Matabele Land. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Ok, pas de souci. Bah, en fait, j'ai fait que 2 lives et du coup, c'était un peu un test. Je t'avoue que c'était un test entre les lives un peu du soir et les lives retour du travail comme ça. Et moi aussi je préfère le faire de 18 à 20 heures. Je pense que ce sera l'horaire journalier. De toute façon je vais faire tout en live. Au moins comme ça je peux récupérer aussi les VOD. Et peu importe si y a du monde ou pas... Donc tu pourras suivre l'aventure. Mais si ça te convient, bah c'est parfait. Et d'ailleurs, je voulais te demander, si tu achètes le jeu, tu vas jouer sur quelle plateforme ? PC, console, PS5, PS4, Switch peut-être ? Il sort en septembre sur Switch. Tant mieux. Rockwood et Harlow sont très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Ranrock. J'avais entendu dire qu'ils avaient été vus ensemble à Préolar. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Théophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier Singer de... Ah ok, bah super, c'est super gentil en tout cas. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande... Natsai, je parle beaucoup. Très bien. Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. En attendant... Merci, Nati. Bon, là, elle m'indiquait juste qu'elle allait... Sois sur tes gardes. Qu'elle allait m'aider. Ok, PS5, c'est bien. En plus, t'auras des quêtes... Ah, si. T'auras des quêtes différentes de moi sur PC. Il y a quelques quêtes sur console qui sont pas les mêmes que sur PC. Donc en plus ça va pas te spoil la totalité des quêtes. Donc ça c'est bien. Et du coup t'auras à peu près les mêmes choses que sur PC. Après je pense pas que tu vas te lasser. Puisque là pour l'instant j'ai pas encore accès à plein de choses. Je vais te laisser découvrir au fur et à mesure des lives. Mais l'avantage sur PC c'est qu'il y a des mods qui existent. Et je vais pouvoir rajouter au fur et à mesure de l'histoire des choses dans l'aventure qui ne sont pas dans le jeu de base et qui vont grandement améliorer le fun et la qualité du live et aussi le côté sombre du jeu. Donc tu verras, ça va être assez évolutif, mais là il faut vraiment que je débloque... les sorts et les capacités dont j'ai besoin pour pouvoir que ça fonctionne. Je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Ranrock iraient aussi loin. Alors. Hop, je vais prendre tous les coffres au trésor ici. Si je peux. Ah bah non, je devrais revenir. J'ai pas encore le sort à l'Omora. Bonjour monsieur. Que vendez-vous ici ? Bonjour, je m'appelle Jalal Semi et vous êtes dans ma boutique de potions. Je peux répondre à toutes vos questions sur le village. Que proposez-vous à la vente ? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Ah. Ok. Bon. J'espère vous revoir bientôt. Oui, moi aussi. On va faire les quelques quêtes secondaires. Je vais voir... Ok. Ça c'est dans
là. Ça, c'est la quête duel. Ça, pareil. Bon, on va faire les deux petites quêtes qu'il y a juste ici. Je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Ranrock iraient aussi loin. Excusez-moi, est-ce que tout va bien? Au moins, si je peux trouver un camp de braconniers, on va pouvoir les combattre. Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureusement rien à vous vendre. J'ai du mal à le croire. Restez sur vos gardes. Ranrock et ses fidèles n'épargnent personne. Ils vous ont attaqué? Ranrock n'a aucune patience avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais moi aussi que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale, mais la violence n'est pas la solution. Lorsque j'ai dit ça, ils s'en sont pris à moi. Je suis assez d'accord avec Ranrock en fait. En tant que mage noir, les gobelins n'ont rien à foutre dans le monde des sorciers. Ma peinture. Sauf pour me servir, évidemment. Je vais essayer de retrouver votre chariot. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement, au sud-ouest. Ah, parfait. Au-delà des ruines, il serait trop dangereux de s'y risquer. J'ai enchanté les chariots pour qu'ils me reviennent si jamais un problème survenait. Les chances sont minces, j'en ai bien peur. Mais j'espère pouvoir récupérer une partie de ce qui m'a été volé. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance, même si les circonstances auraient pu être meilleures. Ok. Et eh ben let's go. En plus c'est trop bien parce que ça va nous débloquer le après ce que Ranrock a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Arles. Et en plus on va pouvoir valider la quête du professeur Ekat, faire d'une pierre deux coups. Donc c'est quoi il faut esquiver des sorts en faisant des roulades. Ok. Et il faut lancer Incendio sur 5 ennemis. Ok. Faut qu'on le garde en tête, comme ça on fait les deux quêtes en un seul combat. Ça c'est vraiment pas mal. Donc lui, on va aider ce petit gobelin, il faut lui retrouver ses peintures. Oh, la classe. Réveillon. C'est trop bien. Oh, une écaille noire des hybrides. Des hybrides. Waouh, je suis fatigué. Hybride. Les petites bourses de galion, ça fait toujours plaisir. Si j'ai rien loupé. D'ailleurs, de toute façon, on reviendra si on a loupé quelque chose. Alors là-bas, il y a l'air d'avoir un campement. Oh, une araignée. Ouais, niveau 7, mais... Derrière les ruines. Je suis sur la bonne voie. On va pas s'attaquer à elle. Oh, des ballons. Ça marche pas si je fais un campement. C'est sûrement ici. Donc Fouis. On dirait qu'il y a plusieurs moyens d'entrer. Arles s'en voudra de ne pas nous avoir rejoints. S'il ne fait pas la vie rapidement, il servira à Mixer. Ça va mal finir pour toi. Ah. Mince. Repose-moi. Je vais venger ta mort.
mince. Ok. Peut-être un tout petit peu compliqué. Ah ouais, j'arrive direct. Ouais, j'arrive directement dans le combat. Ok. Oh. Ok. Où il est? Peut-être moyen que j'y arrive à le faire sans vie. Ok, super, ça c'est fait. On va se concentrer. Mince, il est passé de l'autre côté du mur, lui. Tu m'emmerdes, hein. Ah punaise. Hop là. Les vieux sont. Ça ne fait même pas mal, Incendio. Voilà. C'était assez incroyable. Bon, il faut libérer les chariots d'Arne. Est-ce que j'ai un peu avancé sur la quête que j'ai fait? Ah ouais, ok. Il faut que je lance encore un Incendio et il me manque. Ok. J'ai pas esquivé des sorts assez. Enfin, suffisamment de sorts. C'est pas très très grave. De toute façon. Rebellion. Ok. C'est quoi ça? Si. Ah, ouvrir. Ah, ok. Impressionnant cet enchantement. Oh. Les chariots reviennent vers Arne. Très complexe. Après, en même temps, il l'avait précisé. Donc, pas mal. À prendre les quelques coffres. Sympa. Ayant reste un là-bas en haut. De toute façon, il me semble qu'il y a une. Enfin, ici, j'ai vu qu'il y a quelque chose par terre, mais que je peux pas encore prendre. Donc, on devra. On va devoir revenir. Rebellion. Action. Les vieux sont. Action. Ok. Je vais tricher un peu. Hop là. Ouais. Oh, tout ça pour 26 galions, merci quoi. T'aurais pu mettre d'une plus grande utilité, petit coffre. On va retourner voir Arne. Je vais vérifier sur la carte s'il n'y a pas un autre campement pas très loin. Je vais aller chercher cette poudre de cheminette. Elle est vraiment loin, 200 mètres. Et ah bah il y a ce chariot là-bas. On va aller la chercher et puis après on prendra justement la poudre de cheminette pour retourner voir Arne au village.
Ok. Comme je vous ai dit hier, toujours ramasser les ressources quand on peut. Je peux monter. Ah, il s'est arrêté. J'allais dire, je peux monter dans le chariot ou pas? C'est vraiment joli hein, l'environnement. Ok. Hop, on va se téléporter pour gagner du temps. Donc vous ouvrez la carte, clac clac clac, vous cliquez sur une poutre de cheminette et hop, ça nous téléporte. Bon, c'est expliqué hein, dans une partie du jeu. Début. Ok. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Monsieur Arne, pour mes marchands, bonjour. Bonne nouvelle, Arne. Vos chariots sont sur le chemin du retour. Je ne sais pas quoi dire. J'avais presque perdu tout espoir de retrouver mes affaires. Oh. Les fidèles de Ranrock n'ont jamais compris ce que je trouvais aux sorciers. Merci de me le rappeler. Ceux que j'ai affrontés ne m'ont certainement pas facilité. Ah, et je suis mort. T'as intérêt à payer, je te dis. Oh, j'ai hâte de retrouver mes affaires, surtout ma peinture. Vous m'avez inspiré. Je fais affaire avec des sorciers et des sorcières depuis des années. Et tout s'est toujours très bien passé. Ma prochaine œuvre rendra peut-être hommage à la beauté de notre relation. Ouais. Je ne sais pas si c'est digne d'un tableau. Vous n'avez pas idée de l'effet que l'art peut avoir sur les gens. Croyez-moi, c'en est digne. Merci encore. Pas abusé. Hein. Ah ouais, même pas tu me donnes... Ok, tu m'as donné un casque. Génial. Ah, franchement, je suis ravi.